Suivant. Le grand ménage. Ça, c'est le grand ménage. C'est le grand ménage. Voilà. Ouais, bonjour chers tous. Florence Mata, bonjour à toi, évidemment. Hein. Écoutez, vous savez, j'habite très loin. Donc, et comme il fait tellement beau et chaud en ce moment, voilà, c'est pour ça que, attendez, je vais prendre le téléphone, je vais le prendre en main, c'est peut-être mieux, raison pour laquelle effectivement, je suis obligé de faire le grand ménage, voilà, on a la route à faire, vous savez, il y a une grosse conférence ce week-end à Paris, il y a une grande conférence ce week-end à Paris, où on va tous s'y rendre. Voilà, il y a le président Maurice Kamto qui sera là. Et voilà. Donc, on ira en famille, évidemment. Hein. C'est pour ça que j'ai sorti le bolide.
Je sors quelques jours avant pour bien nettoyer, parfumer, pour qu'il soit prêt pour faire les 400 km de route afin d'arriver à Paris. Si tu es un sacerdoce pour nous de quitter le village et d'aller à Paris. Voilà. Je voulais aussi profiter ce matin pour vous parler d'un petit sujet. Bon, pas d'un petit sujet, d'un sujet récurrent, hein. Bonjour à toi, Blandine Noël, bonjour. Voilà. J'apprête le bolide pour samedi. Voilà. Je voulais parler d'un sujet, pas d'un petit sujet, mais d'un sujet récurrent. Le tribalisme d'État. Vous avez vu aujourd'hui, le gouvernement du Cameroun est en train de tout faire pour nous distraire avec le tribalisme. Vous voyez bien, on parle de fait d'unité. On a bien vu que dans certaines régions du Cameroun, certaines villes ont été interdites de marcher à certains partis politiques. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez bien vu l'unité des personnes. Vous avez bien vu que les Camerounais ont compris aujourd'hui. Je vous ai dit, les Camerounais 2090, là. Les Camerounais 2020, 21, 22, 23. Ce n'est plus les mêmes Camerounais des années 90. Vous avez vu, malgré toutes les élucubrations qu'ils ont voulu faire, les gens ont compris en réalité que non. On n'a pas besoin d'avoir des consignes du régime pour parler d'unité. On n'a pas besoin parce que de plus en plus, quand même, sur la toile, je suis surpris parce que beaucoup de nos frères qui se prenaient pour les cerveaux, les concepteurs, les entrepreneurs du tribalisme et de la haine commencent à revenir un peu à la raison. Je vais comme ça parler de Madame Bissot-Élise, Josuane Ondoa, Armand Assé, avec son régionalisme. Parce que c'est vraiment quelque chose que on a décrié, on a décrié, on a décrié. Quand on ne va pas comprendre que chaque Camerounais est partout dans n'importe quelle province, est chez lui partout ailleurs au Cameroun, on aura toujours ça et on va tomber toujours dans les travers du tribalisme. Aujourd'hui, vous comprenez donc que ça ne fonctionne plus. Les Camerounais sont matures. Ça ne fonctionne plus. Les Camerounais sont matures aujourd'hui. Les gens réfléchissent. Donc ceux d'hier qui montaient, ils montaient les uns et les autres hier pour qu'on se combatte dans un combat tribaliste qui n'a même pas de nom, alors qu'en réalité, à la tête de l'État, ils s'asseyent tous ensemble, ils boivent leur vin au calme et ils envoient les enfants du bon Dieu, quoi. Oui, blanc, blanc, j'étais au Cameroun. Tu m'y invites? Je t'ai pas vu. J'étais au Cameroun. C'est ça le problème? Oui, j'étais au Cameroun. Très beau le Cameroun. C'est tellement beau que je préfère rester en Haïti. Je préfère revenir. Je suppose que toi, tu y es encore. Donc, je disais, ils sont tellement malins. Ils sont tellement malins qu'aujourd'hui, ils ont compris qu'il y a plus malin qu'eux. On ne peut plus tomber dans les travers du tribalisme. On ne pourra plus. C'est terminé cette époque-là. Vous voyez? Il y a encore quelques petits malheureux qui encore essayent de s'exercer dans cet exercice-là qui n'a vraiment plus de sens. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à la croisée des chemins où il faudrait qu'on construise le Cameroun tout ensemble. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes arrivés à cette période-là. Nous sommes arrivés à cet axe-là où il faudrait qu'on reste focus sur l'essentiel. Parce que quand au début, on dénonçait, on dénonçait, on dénonçait, on dénonçait, la première chose, la première rhétorique, c'est que voilà, vous êtes tribalistes, rentrez chez vous. Mais rentrez chez vous où? Rentrez chez vous où? Nous sommes ici dans un pays européen où les gens ont souffert déjà pas mal du tribalisme, où les Bamileke, les Bétis, les Haoussa sont confondus, on nous traite tous de noirs, même des fois même les Antillais qui sont français à la base. Hein, on nous traite tous de noirs. Et nous encore, on va encore perpétuer, on va redynamiser ce tribalisme-là. Non, mais ce n'est pas ça le problème. Je vous ai dit, soyons un peu matures, chers frères, soyons un peu matures. Ce gouvernement n'a plus rien à proposer. Il faut qu'on dise la vérité. Il a laissé commun aujourd'hui. Je vous dis, beaucoup de nos frères qui nous combattaient hier ont compris. Bonjour à toi, Balas, le Camerounais. Beaucoup de nos frères aujourd'hui ont compris que l'adversaire, le seul, c'est le régime de M. Biya, c'est M. Paul Biya et son régime. Il ne faut pas qu'on se cache. On ne peut pas aujourd'hui crier le tribalisme, dénoncer le MRC qui n'est pas au pouvoir. Je vous rassure très bien que le MRC n'est pas au pouvoir. Le MRC n'est pas au pouvoir. Donc, comment est-ce qu'on peut condamner le MRC qui n'est pas au pouvoir? J'ai mis une vidéo récurrente du bonimenteur pasteur il y a quelques années, dans ces moments de lucidité, où il parlait clairement, il expliquait clairement cette chose-là. Donc, c'est de ça qu'il est question. Adrien Zonteux Pacho, bonjour à toi. Donc, il faudrait qu'on arrête
de parler du tribalisme au Cameroun. Le tribalisme au Cameroun, c'est un problème primaire. C'est un problème primaire au Cameroun. Le tribalisme au Cameroun, c'est comme le régionalisme en France, où il y a des Corses qui, à un moment, ont voulu se séparer du continent. Où il y a les Bretons qui, à un moment, ont voulu se séparer du reste de la France. Donc, c'est vraiment un épiphénomène qui peut se régler. Donc, sauf que le gouvernement utilise les naïfs, les faibles d'esprit, pour essayer de combattre, pour essayer d'embrouiller. Aujourd'hui, nous sommes le 24, je crois, 24 mai ou 25, 24 mai, où à quoi? 4 mois? 4 mois après la mort de Martinez Zogo. Je vous avais dit que ces gens-ci, exactement, Blandine, le tribalisme, c'est un épiphénomène. Ça fait 4 mois aujourd'hui, 5 mois bientôt, où je vous avais dit l'affaire Martinez Zogo. Ces gens-là vont tirer jusqu'à arriver en été. Nous sommes à quelques jours du mois de juin, la deadline que j'avais donnée. On n'a toujours pas les coupables. On n'a toujours pas les coupables de Monsieur Martinez Zogo. Le corps est toujours à la morgue, la famille est toujours endeuillée. On n'a pas de suite. On nous a rappelé qu'il y avait des complicités de tortues. Ça n'existe nulle part ailleurs. Complicité de tortues quand il y a un être humain dans la glace depuis plus de 4 mois. On ne peut pas parler de complicité de tortues quand on a utilisé les moyens de l'État. Oui, les moyens de l'État. Contrairement à ce que quelqu'un nous disait, que c'est une agence de sécurité qui allait le tuer à Douala. Non, c'est faux, mensonge, grossièreté, fumisterie. Ça n'a jamais été une agence de sécurité. Quand ce menteur du samedi parlait, non. C'était les moyens de l'État qu'on a utilisés. Les moyens de l'État, c'était ça. La DGRE, Monsieur Danwe, les voitures de l'État, les fonctionnaires de l'État payés à pas l'État du Cameroun, payés avec les impôts des Camerounais. On l'a tué aujourd'hui. On n'a pas de suite. Convocation sur convocation. Un meurtre qui fait 4 mois alors qu'on a trouvé le cadavre et que les coupables sont connus. C'est de ça qu'il est question. Les coupables sont connus. Ça fait 4 mois aujourd'hui, 5 mois bientôt. Martinez Zogo, sa famille ne sera jamais en paix. Son âme ne va jamais se reposer parce que les coupables sont dehors. C'est de ça qu'il est question. Donc, au lieu qu'on se mette tous ensemble pour dénoncer ça, on a vu une bande. Bonjour à toi, Blanche Annette Roméo. Bonjour à toi, le 10 de Douala. Donc, au lieu de dénoncer tout ça, les gens sont sortis pour enchaîner avec une panoplie, avec une pléiade de tribalisme, de propos tribalistes. Mais c'est quand même incroyable pour distraire, de l'enfumisterie, tout simplement, pour distraire le peuple et les plus faibles tombent encore là-dedans. C'est ce que je vous ai toujours dit, et je prendrai toujours le cas du Rwanda. Le Cameroun ne va jamais se transformer en Rwanda. Le Cameroun ne va jamais s'est transformé en Rwanda. Et c'est clair et net. Le Cameroun ne va jamais se transformer en Rwanda parce qu'à la tête de l'État du Cameroun, tous ces gens-là mangent ensemble, ils dînent ensemble, ils font tout ensemble. Le Cameroun ne va jamais se transformer en Rwanda. Voilà, on regarde encore, regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui en France. Il y a une diaspora de privilégiés, d'anciens caciques du gouvernement. Regardez ce qui s'est passé le 20 mai à Paris. Qu'est-ce qu'on voit aux côtés de monsieur l'ambassadeur du Cameroun à Paris, monsieur Komou? On voit qui? Don Basilo, monsieur Basile Atanganakuna, l'ancien boss. L'ancien boss. Voilà, c'est ça exactement, Séverin Gongan. Exactement, ton message est très parlant. Non au tribalisme, justice pour Martinez Zogo. La vraie justice. Pas une épée. Pas un épiphénomène de justice, pas une parodie de justice. Qui est-ce qu'on a vu encore le 20 mai aux côtés de l'ambassadeur Monsieur Ekoumou? On a vu qui? On a vu qui? Monsieur Basile Atanganakuna. Atanganakuna, le célèbre Atanganakuna, qui a ruiné les caisses de l'État, qui a pris une partie d'argent, fait semblant de rembourser, et qui se retrouve aujourd'hui en France, donc c'est trop facile. Aujourd'hui, au Cameroun, il y a des gens qui ont eu l'intention de marcher, il y a des gens qui ont décrié la vie chère au Cameroun, il y en a qui ont dénoncé la guerre fratricide du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il y en a qui ont dénoncé les vols et la prévarication de la CAN, il y en a qui ont dénoncé le Covid-Gate et se sont retrouvés en prison. Des gens ont eu l'intention de marcher, sont retrouvés en prison. Oui, il y a encore. Et chaque jour, chaque semaine, renvoyer l'affaire, renvoyer. Hier encore, on a encore vu le grand Tché, le docteur Alain Fugue, et une dizaine d'otages politiques, à chaque fois renvoyés, alors que la décision d'habeas corpus exigeait leur libération il y a fort, fort longtemps. Voilà donc ce Cameroun-là, oui, Blanche Tard, ravi que tu sois dans ce live. Voilà donc ces choses qu'il faudrait dénoncer.
Voilà ces choses qu'il faudrait dénoncer au quotidien. Tu n'as pas besoin d'être du MRC pour dénoncer ça. Tu as besoin d'être juste un Camerounais. Tu n'as pas besoin d'être Bamileke ou Béti ou Boulou ou Douala pour dénoncer. C'est quelque chose que tout Camerounais normal, naturel devrait dénoncer. Comme je vois de plus en plus les jeunes sœurs du centre-sud qui dénoncent les routes, le manque des routes, le manque d'adduction d'eau. C'est criant, c'est frappant. Pourquoi est-ce que... Oui, le ministre de la Justice a été cité, mais en attendant, qu'est-ce qu'on a vu au boulevard du 20 mai? On a vu derrière Monsieur Ngongo assis derrière le ministre de la Justice. Monsieur Ngongo assis derrière le ministre de la Justice. On a eu dit que c'était lui le commanditaire. Comment est-ce que le commanditaire peut s'asseoir derrière le président de la République, derrière le ministre de la Justice? Je vous assure, quand on aura passé culture où tout le monde va dénoncer, ils vont toujours nous prendre comme vraiment comme du mouton. C'est exactement ça. Je prendrais le cas de la France. En France, les ministres sont poursuivis. Qui ne connaît pas l'affaire Cahuzac? Qui ne connaît pas Cahuzac qui a été poursuivi? Qui ne connaît pas le ministre handicapé qui a été poursuivi, qui a été même démis de ses fonctions, qui a été obligé de démissionner? C'est de ça qu'il est question. Mais au Cameroun, on a plutôt l'inverse. On a des ministres qui sont super puissants. On a des ministres qui n'ont de compte à rendre à personne. Et on a des ministres qui ont un ego démesuré. Alors le Cameroun les appartient. Oui, le Cameroun les appartient. Parce qu'à côté, il y a un dossier, même bien qu'on ait élu 2 mois après, il a fait la délégation des signatures permanentes au secrétaire général de la prison, qui est en fait le président du Cameroun. Parce que c'est M. Ferdinand Gongo qui décide de l'avenir du Cameroun. Il a une délégation totale des signatures. Quand on se rappelle les fameuses phrases aux États-Unis à Washington de M. Biya, on comprend très bien qu'il est juste là, quand même, comme une momie. C'est une postiche qui est là pour animer la galerie, parce qu'aux commandes, à 95 ans passés, on n'a plus toute sa tête. Ce qui est tout à fait normal. C'est comme ça. C'est le métabolisme humain qui veut ça. Alors pourquoi M. Biya n'organise pas sa sortie? Pourquoi ne pas organiser des élections anticipées pour mettre tous les Camerounais d'accord? Au lieu de s'aimer, encourager le tribalisme. C'est de ça qu'il est question. Il y a quelque temps encore, on vous disait, nous ne sommes plus dans les boycotts, nous ne sommes plus dans le boycott. Les gens nous ont dit, qu'est-ce que vous proposez? Alors nous, on a dit, oui, on propose autre chose maintenant. On voudrait collaborer avec les artistes. On collabore avec les artistes, on collabore avec les influenceurs, on collabore avec les musiciens, on collabore avec les comédiens. Vous voyez, ça porte des fruits. Aujourd'hui, tous ces gens, tous ces acteurs culturels, socio-culturels sont engagés, sont impliqués dans la vie sociétale du Cameroun, dans la po vie politique du Cameroun. C'est ça qu'il est question. Ça fait plaisir de voir cette campagne d'inscription sur les listes électorales menée par ces artistes-là, menée par ces comédiens-là, menée par ces influenceurs-là. On a passé le temps à boycotter. À un moment, il faut tirer des leçons. À un moment, il faut s'asseoir et se dire, est-ce que ça a porté des fruits? Est-ce que ça a porté des fruits? Non, parce qu'on se rend compte, on ne va obliger personne. On ne peut pas obliger quelqu'un à dire quelque chose contre son fait. On ne peut pas. La preuve, on a couru ici avec Katino. Elle a dit non, non, non. On a couru avec Coco Argenté. On a couru avec Grace Deka. On a couru avec plein d'autres. Aujourd'hui, on s'est dit, OK, faites comme vous voulez. On vous obligera jamais. On ne vous obligera jamais à prendre position. Mais soyez-en sûrs, ailleurs, les artistes le font. Quand la vie est chère, ils montent au créneau. Ils n'ont pas besoin d'être interpellés. Ils montent au créneau parce qu'ils sont dans un pays qu'ils aiment et qu'ils respectent. Ils aimeraient que les choses changent. Ils aimeraient voir le Nigeria où on a un quartier où les maisons sont plus chères qu'aux États-Unis. On aimerait voir ce Cameroun-là. Pourquoi nous, au Cameroun, on ne peut pas le voir? On ne peut pas voir de telles maisons, de telles clôtures, des maisons gardées, des rues où on ne peut pas avoir les caprices des néo, des rues où on ne peut pas avoir les caprices d'eau. Non, on aimerait aujourd'hui à Yaoundé. J'écoutais encore une chaîne sur le net, une web radio sur le net. Aujourd'hui encore à Yaoundé, les gens meurent de choléra. Les gens meurent de choléra à Yaoundé. À Yaoundé, nous sommes en mai 2023. Les gens meurent de choléra. L'année dernière, c'était le jeune Camerounais Rodrigue Dagueyo, Tafouet Dagueyo, qui a laissé sa vie à la prison de Neubel. Aujourd'hui, à Yaoundé, les corps se comptent par dizaines, morts de choléra. Il n'y a pas d'adduction d'eau. Il y a une promiscuité incroyable. Il y a des boissons frélatées. Même l'eau est frélatée. On ne sait plus. Inscription massive sur les listes électorales, exactement, mon frère, tête à l'heure. Oui, c'est de ça qu'il est question. Je vous dis, le Cameroun que nous voulons aujourd'hui ne sera pas le Cameroun que ces gens-là veulent. Ces gens-là veulent pérenniser leur pouvoir et rester le plus longtemps au pouvoir. C'est de ça qu'il est question.
Le Cameroun d'aujourd'hui, ce n'est pas celui-là qu'ils ont voulu ou qu'ils veulent y prier pour qu'on soit. C'est ça. Il faut dénoncer, bien sûr, dénoncer, mais pas utiliser les mêmes pratiques, Blandine. Exact. On ne peut pas utiliser les mêmes pratiques. À un moment, il faut évoluer. La politique n'est pas statique. Je n'arrête pas de le dire. Il faut évoluer avec son temps, avec son environnement. C'est de ça qu'il est question. Donc aujourd'hui, quand je vois qu'il y a encore des adeptes, des entrepreneurs de la haine sur la toile, je me dis, mais vous n'avez rien compris. Vous jouez le jeu du régime. Oui, vous jouez le jeu du régime en entretenant cette haine-là. Vous jouez le jeu du régime. Mais dites-vous bien que ces gens-là, Yaoundé, ils se voient. Ils se voient. Ces gens-là, Yaoundé, ils discutent. Quand il y a un anniversaire, ils sont tous ensemble. Quand il y a un mariage, ils sont tous ensemble. Quand il y a un baptême, ils sont tous ensemble. Mais qui ne se rappelle pas les vidéos des baptêmes des enfants du Zomelor dans sa période de gloire? On voyait bien le ministre de la Justice passer chez le Zomelor. On voyait M. Sadi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, aller chez le Zomelor. On le voyait tous. On voyait M. Atanganji, le monsieur aux abeilles. On le voyait aller chez le Zomelor. Je vous dis, ces gens-là se rencontrent tous. Tout ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, c'est utiliser le tribalisme pour essayer de pérenniser leur pouvoir. Patrick Manga, bonjour. C'est de ça qu'il est question. Bonjour à toi, Noali Alette. Bonjour à toi, Marvin. C'est ça qu'il est question. Donc, ne tombons pas dans ces travers-là. Ne tombons pas. Ces gens sont tous des amis. Ils sont des amis. J'ai discuté encore dans un live l'autre jour. On nous disait que oui, vous les Bamiléké, vous voulez tout prendre. Mais moi, j'ai rigolé. Je l'ai redit et je le redis encore. Les Bamiléké ont déjà le pouvoir au Cameroun. Oui. Oui. La deuxième personnalité du Cameroun, c'est M. Niak Diffendi Marcel. Si M. Mbiane n'est plus, c'est M. Niak qui sera président du Cameroun, même s'il prend un mois ou 2 mois le temps d'organiser les élections, c'est M. Niak Diffendi Marcel. Oui. Le secrétaire général du RDPC, c'est Jean Kuété. C'est Jean Kuété. Oui. Congé le CAM, dont vous décriez la mauvaise gestion, c'est encore un Bamiléké. C'est vrai. Il faut pas qu'on se le cache. Fokou, allô Fokou, allô Fokou. Ce n'est pas un Aoussa. Allô Fokou, oui. C'est encore un Bamiléké. Sans Fokou, vous construisez pas les maisons au Cameroun, vous le savez très bien. C'est encore un Bamiléké. Oui. Le directeur du JICAM, c'est encore un Bamiléké. Donc, c'est ce que je vous dis. Arrêtez de stigmatiser une tribu. Arrêtez de faire croire que les Bamiléké sont des envahisseurs. Arrêtez. C'est pour ça que j'étais très, très remonté contre mes frères Sawa, qui à un moment se sont levés ici en région parisienne, dans la diaspora, comme une seule personne pour décrier le boycott de Madame Grace Deka. Mais quand on a vu des gens les déloger sans sommation à Dikolo, ils se sont tués, ils se sont cachés. À croire que ce n'est qu'une tribu qu'il fallait indexer. J'ai dit hier à un de mes jeunes frères, un peu tribaliste sur TikTok, il a dit rentrez chez vous, vous avez envahi Yaoundé. J'ai dit ok, c'est vrai, vous voulez qu'on aille où? Il dit allez à l'ouest. J'ai dit ok, j'accepte, il faut qu'on rentre chez nous. Avant de rentrer chez nous, commencez à aller chasser tous les Bamiléké de la briqueterie. Écoutez, j'ai dit commencez par tous les Bamiléké de la briqueterie. Écoutez ce qu'il m'a raconté. Il m'a dit non, à la briqueterie, ce n'est pas les Bamiléké, c'est les Aoussa. J'ai dit, alors, et les Aoussa, ils sont ceux à Yaoundé, ils se tuent. Donc, en fait, les Bamiléké, c'est votre moins cher. Donc, on va chasser tous les Bamiléké. Quand je leur ai dit, commencez par les Bamiléké de la briqueterie, ils disent, non, c'est les Aoussa. Donc, vous avez peur d'utiliser le même langage vis-à-vis des Aoussa, vis-à-vis des Foufoudés, mais vous êtes courageux, très, très courageux, pour dire aux Bamiléké, rentrez chez vous. J'ai dit, non, c'est la pure distraction. Vous ne comprenez pas quoi, en réalité. Ce régime est tellement subtil que toi, la petite personne qu'on utilise, tu n'es même pas invité à un petit déjeuner. Je me moquais encore de tous ces activistes-là. J'ai dit, regardez, regardez les photos, je n'ai vu aucun activiste au Palais Dauphine à Paris. Aucun activiste, vous qui défendez Paul Biya. Je n'ai vu aucun activiste. Il y a les photos qui sont sur Facebook. Allez sur la page d'Éric Kouachou, vous verrez.
Aucun activiste. Je n'ai pas vu Cercueil d'Afrique. Je n'ai pas vu Armand Assé. Je n'ai pas vu Patrick Mbala. Je n'ai pas vu Atéban Kou. Je n'ai pas vu aucune de ces personnes qui sont là pour dire Bamileke, rentrez chez vous. Non. Je n'ai pas vu Bisson Élie. Je n'ai pas vu personne. Je n'ai pas vu la coach. Non, je n'ai pas vu la coach. J'ai vu des Camerounais qui étaient là. Mais vous n'étiez pas là. Donc ce régime ne vous prend même pas en considération, ne vous respecte même pas. Je n'ai pas vu Alain 007, non. Ce régime ne vous prend pas et vous ne parlez pas son nom. Ils vous font comprendre en réalité que vous ne parlez pas en leur nom. L'ambassadeur Koumou, quand il est arrivé ici en France, il a bien dit pas de ni basse, il y a pas de basse, pas de patriotes, mais des Camerounais. Et c'est ça que j'ai vu. Oui, c'est exactement ça. Ils ont une vitrine nulle sur Facebook. Ils se prennent pour les porte-parole du Sud, comme les porte-parole de l'ambassade du Cameroun. Mais je vous dis, les vidéos sont là, les photos sont là. Ces gens, personne n'a été invité sur la toile. Personne n'a été invité au Palais Dauphine. Des Camerounais étaient invités au Palais Dauphine. Oui, on a vu des Camerounais au Palais Dauphine. Mais aucun de ceux-là qui sont là pour prôner la suprématie d'une tribu contre l'autre. Contre ceux-là qui disent aux autres de rentrer chez eux, mais rentrer chez eux où? Quand je vous dis de voyager, vous voyagez, vous comprenez pas. Hein? Quand je vous dis que l'école est bien, vous comprenez pas. L'école est vraiment bien, je vous assure, l'école est bien parce que c'est comme ça que ça a commencé au Rwanda. Ça a commencé comme ça au Rwanda, comme un jeu. On s'est mis à dénigrer les Tutsis, on s'est mis à dénigrer les autres et il y a eu ce qu'il y a eu, le génocide. Vous avez vu des milliers de morts. Aujourd'hui, ils sont un peuple uni parce que Kagame a réussi à convaincre les Rwandais qu'il n'y a pas de Tutsi, il n'y a pas de Hutu, il y a des Rwandais. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas de Tutsi, il n'y a pas de Hutu, il y a des Rwandais. C'est la même chose qu'il faudrait qu'on applique au Cameroun. Il n'y a pas de Boulou, il n'y a pas de Bamileke, il n'y a pas de Haoussa, il y a des Camerounais. Puis c'est la même chose que j'ai dit à mon jeune frère. Commencez donc par chacun, vous chassez Bamileke Yaoundé, commencez par les chasser Bamileke qui sont à la briqueterie, qui font le saut à la briqueterie. Il m'a dit jamais, ce n'est pas les Bamileke, c'est les Haoussa et les Foufoudé. Donc vous avez peur des Foufoudé et des Haoussa, mais vous n'avez pas peur des Bamileke parce que c'est le moins cher. C'est ça, non? C'est un peu ça. Vous avez peur des Foufoudé, mais vous n'avez pas peur des Bamileke. Donc on pouvait dire aux Bamileke, rentrez chez vous, mais jamais aux Foufoudé, jamais aux Bamoun. J'ai donc dit, chef, arrêtez. Arrêtez. Ce régime-là, c'est un régime des prévaricateurs. Ils veulent pérenniser, je vous dis, j'assure, ils veulent pérenniser leur pouvoir. C'est ça qui est question. Ils veulent pérenniser leur pouvoir. Ils veulent utiliser le tribalisme. Ils veulent utiliser le tribalisme. Il y a quelque temps, quand on était à fond dans le boycott, il y a 3 semaines, ouais, moi j'ai fait un live, j'ai dit que nous, ne boycottons plus. J'ai bien dit, tous ceux qui nous suivent, tous les points, on ne boycotte plus. Ils se sont tués. Ils se sont tués parce qu'ils attendaient à ça, ils attendaient à un affrontement géant. On leur a dit non. Aujourd'hui, nous sommes là pour conscientiser, nous sommes là pour grandir, nous sommes là pour construire ce pays que nous adorons. Oui, nous sommes là pour collaborer. Collaborer avec les acteurs culturels, socio-économiques du Cameroun. Nous sommes là pour échanger avec les jeunes artistes comme les Kokumbo, avec les jeunes frères comme les Malox, avec tous ces jeunes-là. On a besoin de collaborer aujourd'hui, mais pas pour les boycotter. Le boycott a eu sa force, sa puissance. Oui, le boycott a eu sa puissance. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer autre chose. On ne boycotte plus. Vous n'avez pas vu, les gens sont venus nous provoquer, me provoquer en particulier dans mon inbox, sur mon WhatsApp. J'ai dit non, on ne change pas. Les gens nous ont dit, tiens, voilà Coco Argenté, on n'y va pas. On ne boycotte plus. Nous avons, j'ai dit, je parle bien de nous, mon équipe et moi, mon groupe et moi. Donc si certains continuent, ça leur regarde. Ça leur regarde. Mais on connaît très bien les figures emblématiques du boycott. Mais nous, on ne boycotte plus. Nous sommes dans une collaboration. Merci à toi, Mafou Gonfim. Merci à toi. Aujourd'hui, nous sommes dans une collaboration où il ne faut pas priver des Camerounais. Aujourd'hui, nous sommes dans une collaboration où il faut dire aux Camerounais, serrons-nous la main, parce qu'un Cameroun meilleur est possible. Le Cameroun de demain se fera avec tous les Camerounais. Je dis bien tous les Camerounais du nord au sud, même celui qui est en Kodengui. Il va apporter sa force.
Même celui, bonjour à toi Désiré et Dimo, même celui qui est en prison aujourd'hui, il va porter sa force. Parce que la prison n'est pas une fin. Il y a les gens qui vont, il y a des innocents qui sont en prison. Et on le sait, quand on voit encore les prisonniers politiques du MRC, ils n'ont jamais rien fait, mais ils sont en prison. Donc on a besoin de toutes ces personnes-là. On a besoin de ces jeunes qui, depuis 2-3 ans, ont abandonné leur commerce, abandonné leurs épouses, se sont retrouvés en prison parce qu'ils ont juste eu l'intention de marcher. Oui, Bibou Nessar n'a même pas eu le temps de jouir de sa lune de miel, de sa semaine de noces, qui s'est retrouvé en prison. Et vous pensez qu'on va faire au Cameroun sans ces personnes-là? On va faire le Cameroun avec tous ces Camerounais-là. Oui, il faut qu'on arrête. Il faudra un moment qu'on arrête. Et je vois aujourd'hui les gens sortis, venir dire que c'est le MRC qui a fait ça, le MRC. Non, chers frères, soyons réalistes. Aujourd'hui, on devait être focus. On devait être focus sur la réalité du Cameroun. On devait tous dénoncer l'état de ce régime, la prévarication de ce régime. Regardez encore, même dans le football aujourd'hui, nous sommes encore divisés. Regardez ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on a eu la force et le courage de chasser l'un des meilleurs joueurs du monde actuel. Oui, l'un des meilleurs gardiens que le Cameroun ait jamais eu, André Onana. On l'a chassé quand même malpropre de la Coupe du Monde. Et on se retrouve aujourd'hui à faire des coubettes et des salamalecs en disant c'est le meilleur. Pourtant, on le savait très bien que André Onana était l'un des meilleurs. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand c'est des causes factuelles comme celle-là, on n'a pas besoin d'être du MRC, on n'a pas besoin d'être de l'opposition. On doit dénoncer, on doit être capable de dénoncer et de le dire de façon ferme. Tous les Camerounais devront aujourd'hui dénoncer. Aujourd'hui, on est tous d'accord à 95% qu'André Onana n'aurait jamais dû quitter la tanière des Lions. Il est en train de jouer la finale de la Coupe d'Italie et la finale de la Champions League. Ça prouve à suffisance que c'est l'un des meilleurs gardiens. Pourquoi donc chasser nos cerveaux, les personnes qui apportent? C'est pour ça que j'ai dit, quand c'est une cause comme celle-là, où on voit qu'il y a du faux, où il y a de la malveillance, on doit tous unir pour dénoncer. On doit tous unir pour dire non, on ne peut pas. Pareil pour les routes. Pareil pour les routes, regardez nos routes. La semaine dernière, vous avez vu le terrible accident qu'il y a eu sur la route entre Ngaoundé, Ngaoundabal et le Nord. Vous avez vu. Je ne vais pas citer la compagnie pour leur faire de la publicité, parce que c'est que beaucoup d'actionnaires sont les membres du régime. Vous avez vu ce qui s'est passé? On devrait déplorer ça. Le seul pays au monde où on a eu l'autoroute le plus cher du monde est celui qui a eu le moins de kilomètres possible. C'est le Cameroun. L'autoroute Douala-Yaoundé. L'autoroute Douala-Yaoundé, initiée il y a plus de 20 ans, mais jamais terminée. Jamais terminée. On ne voit même plus le fond. Certains disent qu'on va revoir le bout du tunnel. On ne sait même pas quand est-ce que ça va se terminer. Plus de 20 ans. L'autoroute le plus cher au monde. Est-ce qu'on a besoin du MRC? On a besoin d'être de l'opposition pour dénoncer cela? Non, on a besoin juste d'être Camerounais, dit non, ça ne va pas. Est-ce qu'on a besoin de dénoncer le vol, le suicide de la CANGET? On a parlé d'un complexe sportif à Olébé, avec un hôtel, un supermarché, une piscine olympique et un terrain de basket qu'on n'a jamais vu. On devrait tous dénoncer ça. On n'a pas besoin d'être de l'opposition. Est-ce qu'on a besoin d'être de l'opposition pour dénoncer le vol du COVID-Guide? Non, on n'a pas besoin d'être de l'opposition. On a besoin d'être Camerounais pour dénoncer tout cela. Est-ce qu'on a besoin de dénoncer aux autres, d'être de l'opposition pour demander justice pour Martinez Zogo? On n'a pas besoin d'être de l'opposition pour demander justice pour Martinez Zogo. Alors, ça fait plus de 4 mois. Je vous l'avais dit. Ils vont nous prendre à l'usure. Ils vont vous prendre à l'usure. Et vous allez oublier. Chaque semaine, il y aura un rebondissement. Et regardez, on tombe là-dedans. On tombe là-dedans. Est-ce qu'on a besoin d'être de l'opposition? Est-ce qu'on a besoin d'être Bamileke, Boulou, Betty? À où ça? Pour dénoncer? Pour demander justice à Martinez Zogoya et à sa famille? Non, on n'a pas besoin. On a juste besoin d'être Camerounais. Parce que c'est les moyens de l'État qui ont été utilisés. On les moyens de l'État utilisés pour commettre un crime horrible, odieux. Odieux. C'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, pour finir, les gens reportent encore sur les travers du tribalisme. Les travers du tribalisme. Bien sûr, les travers du tribalisme. Oh, les Bamileke, rentrez chez vous. Oh, vous avez volé nos terres. Oh, vous avez fait ça. Donc, en réalité, vous vendez des terres. Vous voulez qu'elles restent dénudées ou qu'on laisse des cases en terre. Vous vendez des terres et vous voulez qu'on laisse des cases en terre. Et quand on construit,
Quand on met une discothèque, un immeuble, une grosse boutique, vous dites non, rentrez chez vous en espérant que quand le régime va tomber, on va chasser tous ces graphistes pour récupérer les terres de nos ancêtres. Non. Non. Ça ne marche pas comme ça, les enfants. Chaque Camerounais est libre de s'installer partout où il peut et où il veut au Cameroun. Chaque Camerounais, oui. C'est ça qu'il est question. On sait très bien qu'il y a encore les résidus du tribalisme dans la tête de nos administrateurs civils. On a bien encore écouté les diatribes de monsieur Bernard Minelli, le mot au sud. Quand il y a un préfet du nord qui est arrivé, il lui aura très bien dit, ici, on ne commande pas les boules comme on commande les nordistes et les bayas dans la Damawa. Ils ont encore ça. Donc, il y a des jeunes au Cameroun qui marchent en pensant qu'il est plus intelligent, il est plus beau, il est plus fort, parce que le Cameroun leur appartient. C'est une grâce du Seigneur. Il y en a qui le pensent. Tout ça devrait finir, c'est vrai. La réalité devrait vous retrouver, vous remettre tous en question, vous dire non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce régime vous utilise et nous utilise tous. Nous, on a compris. On se remet en question en permanence. L'homme intelligent est celui qui se remet en question en permanence. Remettez-vous un peu en question. Le problème au Cameroun actuel, ce n'est pas le Bamileke. Ce n'est pas le Boulou. Le problème au Cameroun, c'est la malgérance initiée par M. Biya et son régime. Une bande de voleurs, de prévaricateurs. La preuve aujourd'hui encore, je vous dis, M. Basile Atangakuna, ancien sociétaire de Koningui, vit à Paris, a été l'invité d'honneur de M. l'ambassadeur de France. Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, le 20 mai, toutes les photos le prouvent. C'est ça qu'il est question. Donc un voleur, un bandit qui vole, qui est libre, qui se pavane en diaspora, qui vient manger une partie de ce qu'il a mis de côté, et des gens qui ont juste eu l'intention de marcher, qui ont dénoncé la prévication, le banditisme, la malgérance, se retrouvent en prison depuis des années. Et vous êtes là, vous cherchez votre victime, votre souffre-douleur, les Bamileke, rentrez chez vous. Biben Velazine, vous êtes des tribalistes. C'est vous qui avez apporté le tribalisme au Cameroun, c'est vous qui avez apporté le tribalisme. Parce que quand M. Minelli et Lomo disaient ça dans les années 90, le MRC n'était pas encore né. Je vous dis, dites merci quand même au MRC parce que vous avez la parole libre aujourd'hui. Oui, vous pouvez dire merci au MRC. Vous pouvez dire merci à Maurice Kamto, vous avez la parole libre. Aujourd'hui, des gens se sont sacrifiés. Pour leur parole, ils se retrouvent en prison et ça a donné le courage à des dizaines et des dizaines, à des milliers de Camerounais, oui. Ça a donné du courage aux Camerounais. Même des journalistes n'osaient pas. Aujourd'hui, les journalistes osent dire ce qu'ils pensent. Les artistes osent dire ce qu'ils pensent. Regardez le mur de Carrefour. Regardez le mur de Malos. C'est de ça qu'il est question. Regardez Kokombo, le jeune Kokombo. Regardez même Cabral Nangip, qui est même du RDPC. Mais regardez, aujourd'hui, il y a une liberté d'expression de ton qui est assez palpable et visible au sein de la communauté artistique, des influenceurs. C'est de ça qu'il est question. Donc, grâce au MRC, les gens ont la parole libre aujourd'hui. Les gens n'ont plus peur de dire. Les gens n'ont plus peur de parler. Une chose est sûre, Maurice Kamto a apporté quelque chose au Cameroun. On ne lui dira jamais assez merci. Oui, l'humilité, le bon sens, la justesse et surtout le sens du patriotisme. C'est de ça qu'il est question. Bonjour à toi, Dada André. Bonjour à toi, Clébitois. C'est de ça qu'il est question. 95 ans, monsieur, vous devriez vraiment tout faire, vous battre. Ben, vous devriez vous battre aujourd'hui pour avoir une retraite paisible, organisée, laisser un Cameroun en paix, comme vous l'a légué, monsieur Aïdjo. C'est de ça qu'il est question. Et tous les Camerounais de la diaspora et du Cameroun devraient applaudir pour ces gestes salutaires que vous feriez. Oui, on en a besoin. Nous n'avons plus besoin d'être à la traîne. On a besoin d'élever ce pays-là, oui. On en a marre de sortir. On en a marre de voir des jeunes prendre la route du désert. Oui. Bien évidemment, monsieur Maurice Kamto a délié l'élan. C'est de ça qu'il est question. On en a marre de voir nos jeunes frères prendre la route du désert. On a marre de voir nos jeunes frères mourir dans la mer. On en a marre. On en a marre. Et c'est pour ça que je vous dis, pour les retardaires encore, il y a une grosse conférence samedi. Une grosse conférence samedi
avec toutes les diasporas. On n'a pas besoin d'être membre du MRC. Oui, Kiki Chanel, bonjour à toi. Bonjour à toi, Kiki Chanel, bonjour à toi. Il y a une grosse marche. Bon, il n'y a pas une grosse marche, il y a une grosse conférence à Amantième. Oui, Wandayans, bonjour à toi, mon frère Wandayans, à Amantième. Voilà encore des créateurs camerounais. Voilà des créateurs comme Amantième, Wandayans. Il aurait pu habiller même l'équipe nationale du Cameroun avec sa marque. Voilà des jeunes camerounais qui fuient. Il a une marque à Amantième qui vient de se connecter. Il a une grosse marque, connue que par les Européens. Il aurait pu habiller l'équipe nationale, même gratuitement, avec sa marque, Wandayans. Ça aurait été original. Mais regardez, on est obligé de rester en diaspora. Donc je vous convie tous, pour la plupart, hein, c'est sur inscription, email, nom, email, QR code, samedi prochain, le 27, à Châtelet, une conférence du président Maurice Kamto avec toute la diaspora. Tout le monde est convié, à condition d'être inscrit, pour des raisons évidemment de sécurité et de place. Inscrivez-vous, il y a des numéros dédiés. Vous allez sur toutes les pages, vous verrez, vous inscrivez, nom, prénom, adresse mail pour recevoir votre QR code. Vous dépêchez. Je pense que hier, il y avait encore une dizaine de places seulement qui restaient. Donc, pour ceux qui écoutent ce live et qui ne sont pas encore inscrits, allez-y, inscrivez-vous. C'est une conférence. Ça ne vous engage pas si vous n'êtes pas concerné. Mais si vous êtes concerné pour le Cameroun, vous êtes invité cordialement. Voilà, on me dit qu'il y a encore quelques places et une séance, exactement, et une séance de dédicace est prévue. Voilà. Donc, il y a encore quelques places. Il y a encore des places disponibles. Il y a une séance de dédicace qui est prévue après. Donc, je vous invite tous à être là samedi. C'est pour ça que j'ai sorti ma tienne nounou. Voyez, comme je viendrai avec tous mes enfants. C'est pour ça que j'ai sorti le 7 places. Je la lavais encore bien. C'est pour ça que j'ai sorti le 7 places. Comme ça, là, samedi, toute la famille, comme moi, sera tous là, assis gentiment au fond, comme tout le monde. On va écouter, on va suivre l'échange. C'est ça qui est question. On viendra encore apprendre une fois de plus. Parce qu'on va encore, il faut apprendre. J'aime bien suivre les conférences des érudits, comme le président Maurice Kamto. J'aime bien suivre ça. J'aime m'apprendre. Personne n'a la science infuse. Parce qu'on sait très bien que ce Cameroun aussi a besoin. Peut-être pas moi, peut-être mes enfants, peut-être mes petits-enfants plus tard. Donc il faut tu apprendre. Donc nous serons tous là. Nous sommes tous inscrits. On a déjà nos noms, nos prénoms, QR codes. Après, il y aura la séance des dédicaces. Il y a l'urgence de la pensée qui est toujours là. Il y a le traité des droits constitutionnels du président Maurice Kamto qui l'a fait. Donc, c'est de ça qu'il est question. Vous venez, vous venez, vous venez, vous avez participé à la conférence et à la séance des dédicaces. Par contre, c'est à partir de 13h, ouverture des portes, bien avant, mais la conférence commence à 13h. Vous savez, on n'est pas au Cameroun où quand on s'est marié, on dit 17h, les gens viennent à minuit. C'est 13h et c'est à Châtelet, dans un centre commercial qui ferme à une certaine heure. Donc, soyez ponctuels. Oh, Blanchard, ça c'était avant. Blanchard, ça c'était avant. Je vous ai dit, tu parles de 2018. Nous sommes en 2025. Donc, 5 ans après, pratiquement. La pensée n'est pas statique, elle évolue. Il y a 5 ans, tu ne passais pas dans mon live. Tu vois, aujourd'hui, tu passes dans mes lives. Il y a même quelque temps, la Claire Bitoaké aux États-Unis est passée dans mes lives avec les insultes. Ouais, maintenant, là, elle passe. Elle comprend que nous, on a baissé. Et alors là, voilà, on a changé de discours, on a baissé d'un ton. Et tout le monde devrait faire pareil. Il y a 5 ans, est-ce qu'on se parlait, Blanchard? Non. Parce que nous étions tous manipulés par les gens du régime. Et aujourd'hui, toi-même, tu dénonces ces gens-là sur ton mur. Tu dénonces ces gens-là sur ton mur. C'est ça qui est question. Tu n'as pas besoin d'être du RDPC, du MRC, du SIA pour dénoncer. Tu as juste besoin d'être Camerounais parce que ça ne va pas. Le Cameroun t'appartient comme il nous appartient tous. Là, on n'a pas besoin d'avoir une étiquette politique pour dénoncer ce qui ne va pas. Je vous dis, la petite Claire Bitoaké qui est aux États-Unis, elle venait dans mes lives m'insulter. Vous voyez, elle a changé d'un ton. Je n'ai pas eu besoin de la bloquer. Les gens changent, la pensée est dynamique, elle évolue. C'est comme ça qu'on fait. Aujourd'hui, je pense qu'on a eu un peu de maturité pour comprendre tous ensemble que tu peux être ta Sontina, Sardina, mais aimer le Cameroun comme tout le monde. Tu peux être Tontina, Sardina, voir ton frère et ne pas le tuer. Tu peux être ta Sardina, Tontina et dénoncer la malgouvernance. C'est de ça qu'il est question. Ils ont longtemps utilisé. Pour vous dire que ceux-là dénoncent la malgouvernance parce qu'ils veulent prendre votre place.
Ils veulent vous remplacer. Vous avez vu? Donc, ils vous ont longtemps utilisé. Maintenant que vous avez ouvert les yeux, maintenant vous avez ouvert les yeux que non, rien ne va. Parce que le problème qui se passe chez moi à Bangoulap, c'est la même chose qui se passe chez toi. C'est ça qui est la question. Donc, pour ceux qui sont en région parisienne, on se donne rendez-vous samedi à partir de midi et demi pour cette méga, méga, méga conférence avec à la fin une séance de dédicace. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Je vous souhaite de passer un agréable mercredi pour les parents. Vous savez, mercredi, c'est la journée des enfants en France. Je vous souhaite des bonnes activités avec vos enfants et on se retrouve certainement mercredi, samedi prochain. Je pense que Rosino va monter là, peut-être ce soir ou demain, sur la page de l'alternance et Camto. Si ce n'est pas le cas, on se retrouvera samedi après-midi. Merci Blondine, merci Blanchard et Désiré, dis-moi, ma personne. Merci à toi, Jirès. Si je perds mon voix, je serai contre toi. Non, non, Jirès, on va pas paître. Tu sais pourquoi on va pas paître? Parce que cette fois-ci, on va s'inscrire massivement sur la liste électorale. On va protéger nos votes. Et je vous assure, en diaspora, nous sommes en train de nous équiper en diaspora. On s'équipe en diaspora de telle sorte que toutes les personnes qui sont encore capables de partir, de rentrer au Cameroun sans être inquiétées, toutes les personnes sont les listes des volontaires capables de partir au Cameroun sans être inquiétées. Les gens iront au Cameroun s'il y a des élections anticipées. S'il y a des élections, les gens iront surveiller les votes. Donc la diaspora est prête cette fois-ci. Vous voyez, il y a des volontaires, des façons volontaires. Les gens disent que si tout fonctionne, si en 2024, il y a des élections anticipées, les gens se mettent en congé pendant 2 mois pour aller contrôler les votes. Parce que les gens ont soif des changements. Je vous assure, les gens ont soif des changements. Les gens ont soif. Donc, beaucoup de la diaspora qui vont encore régulièrement au Cameroun vont y aller pour surveiller les votes. Donc, imaginez. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ils nous ont toujours balancé de gauche à droite, rempli les votes. Non, c'est terminé. Les gens ont pris conscience. Ici, en France, il y a des gens qui sont volontaires. On nous dit élection en février 2024, vous verrez le nombre. Je vous dis, vous verrez le nombre de diasporains qui iront au Cameroun surveiller les votes. Et c'est comme ça dans toutes les régions. Donc ça, c'est la grande surprise qu'on leur réserve. Ils ne pourront pas. Ils surveillent les votes de façon gratuite, bénévole. Mais il faudrait que les choses se passent naturellement, eh bien, c'est ça. Donc aujourd'hui, on ne peut plus tomber dans ces travers-là. C'est ça qui est la question. Donc, je vous donne rendez-vous. Ah, voilà, Claire Bitois. Vous voyez, je vous ai dit, non? Même Claire Bitois, non, ça, je me demande si c'est Claire Bitois qui a écrit ça. Je vais épingler avant, non, Claire Bitois. Vous voyez, elle-même a dit, je suis fatigué de voir mes frères Boza et mourir en mer. Non, je vais épingler ces commentaires. Voilà ce qu'on a tué dénoncer, Claire Bitois. Voilà ce que je disais. Nous sommes tous fatigués. Pour le dénoncer, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'être du RDPC ou du MRC. On n'a pas besoin d'être du SDF. On a juste besoin d'être Camerounais. Parce que les jeunes qui meurent dans le désert, là, c'est nos frères. Quand ils meurent, ils sont mangés par des requins. On ne dit pas lui, il est du RDPC. Lui, il est du SDF. Lui, il est du MRC. Non, c'est des Camerounais qui meurent. Ça fait mal à tout le monde. C'est ça qui est question. Vraiment, je suis content qu'enfin, on soit tous en osmose. Comme je dis, on n'a pas besoin d'appartenir à un parti politique pour vous dénoncer. Non, nous avons juste besoin qu'on s'ouvre les yeux, qu'on parle à nos voisins, qu'on puisse regarder nos voisins, dire, pas comme des chiens en faïence, mais comme des Camerounais. C'est ça qui est question. Voilà. Si aujourd'hui, à travers mon live, Claire Bitois, qui venait tu m'insulter, qui venait tu insulter le MRC, fait un commentaire pareil, je lui dis chapeau. Voilà une personne qui est convaincue. Voilà une personne qui ira dire à sa voisine, le but, ce n'est pas de chanter le nom de Moïse Kamto. Le but, c'est de voir et dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Donc, c'est de ça qu'il est question, chers frères. Voilà ce qu'on devrait faire. Laissons nos œillères de côté. Laissons les entrepreneurs, les artisans du tribalisme et leurs frustrations. On s'aime. Les Camerounais s'aiment et s'adorent. Pensez à André Onana. Regardez la force qu'il y a sur Facebook. Tout le monde est derrière André Onana quand André Onana joue au foot. Tout le monde, je ne vois aucun Camerounais qui ne supporte pas l'Inter. Les Camerounais supportent l'Inter parce qu'il y a un Camerounais, André Onana, l'un des meilleurs. Tout le monde supporte André Onana parce qu'il est Camerounais. C'est de ça qu'il est question.
Là, on ne cherche pas à dire que, oh, il est bêtis, hein? Oh, il est quoi? Oh, c'est le neveu du homme-là. Non! Il porte l'emblème du Cameroun dans son regard, sur son physique, sur ses gants. Tous les Camerounais sont focalisés. Même celui qui n'aime pas le foot regarde. Il te dit, mais il y a un Camerounais là qui joue à l'Inter. Il est très bon, ce gardien. Tu le connais? Je dis, oui, je le connais. Il s'appelle André Onana. Il dit, OK, je viens regarder au match avec toi. C'est ça. C'est la même chose. Bonjour à toi, ma princesse Dorta. Bonjour à toi, Sandra. C'est ça qu'il est question. Quand André Onana joue, tout le monde est focalisé sur André Onana. Voilà, c'est quoi il est question. Donc, j'aimerais aussi que demain, si un ministre vole ou essaie de nous entourlouper comme ils ont l'habitude de faire, qu'on nous dise pas que non, il est bêtis, il est bamileke, ou il est du RDPC, ou il est du SCN. Non, tous les Camerounais seront à même de le supporter, de le soulever ou de le mettre au sol. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, de 2018 à 2023, on a compris. On a compris aujourd'hui que notre combat, ce n'est pas un combat de personne. C'est un combat de projet sociétal. C'est un programme, c'est un combat de projet politique. Mais on se rend compte qu'en 41 ans, le RDPC n'a plus rien à nous proposer parce qu'ils n'ont jamais rien proposé. La seule chose où ils ont voulu proposer et distraire ici en diaspora, c'était le tribalisme. Voilà Blanche Tchaké dans mon live. Vous pouvez lui demander en 2018 comment nous étions. Nous étions comme entre chien et chat. Elle est dans mon live. Elle commente. Voilà Clébitois toi qui venait avant de toi m'insulter, insulter le MRC. Elle qui vient me donner même le fil de dans mes idées. C'est elle qui vient encore à la fin quand je voulais couper. Mais dis non. On est fatigué de voir nos jeunes frères mourir dans le désert et la mer. On est fatigué. Que ces gens-là essayent de nous opposer les uns les autres. On est fatigué. Je suis Ebala, bonjour. Chantal Noupo, bonjour. On nous sommes fatigués. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous sommes fatigués. On a besoin d'un véritable changement. Je parle bien de changement. Pas de remplacement, mais changement. Nous en avons besoin. Le Cameroun en a besoin. On en a marre d'être la risée de l'Afrique. Le Sénégal est en train de muer. Pourquoi pas le Cameroun? L'Afrique du Sud a mu. Pourquoi pas le Cameroun? L'Éthiopie, dans le temps où on disait, en géographie, en histoire, on montrait les photos des enfants éthiopiens avec des mouches au nez plein, avec un gros vent, on disait qu'ils ont le béri-béri parce qu'ils sont pauvres. Allez regarder l'Éthiopie en 2023. La plus grosse flotte africaine après l'Afrique du Sud, c'est l'Éthiopie. Allez faire un tour. Même les vols de Air Éthiopien sont même plus confortables que ceux des Air France et des Bruxelles Airlines. Allez regarder. Donc, quand on voit ça, pour dénoncer, on n'a pas besoin d'être Bamileke, Boulou ou Aoussa. Pour dénoncer, on n'a pas besoin d'être du SIF, du MRC ou du RDPC. On a juste besoin d'être Camerounais parce que rien ne va. Rien ne va. On voit un ministre de l'Éducation s'acheter une voiture à 125 millions de francs CFA, mais payer les profs à 150 et 200 francs de copie. Quelle est la valeur ajoutée dans ça? Quelle est la logique? Quelle est la logique? Qu'un ministre puisse acheter un véhicule à 125 millions de francs CFA alors qu'on paye des profs pour corriger les copies? Les profs qui donnent le savoir à 150 francs, 200 francs. On a besoin d'une voiture. On a besoin qu'un ministre ait une voiture à 125 millions de francs CFA. Est-ce qu'on en a besoin dans ce Cameroun-ci? Quand on voit qu'il y a des hôpitaux qui ne sont hôpitaux que des noms, on voit des cabanes. Sans eau, sans électricité, sans drap, sans lumière. Est-ce qu'on a besoin de ça? Quand on voit nos mamans séquestrées dans des hôpitaux de renom au Cameroun parce qu'elles n'ont pas de l'argent de quoi payer, est-ce que c'est normal ça, sincèrement? Quand on voit nos ministres demander des frais d'émission venir ici parce qu'ils ont juste mal à la tête, mal à la tête. Quelqu'un qui fait un petit accident, la ceinture le bouscule. Ah, il va demander l'argent, frais de mission pour venir se soigner en Europe des mois et des mois. Giresse, Neslin, on peut le faire. On n'a pas besoin de papier. On n'est pas né avec des papiers, vous savez. On n'est pas né avec des papiers. On peut le faire. On peut le faire. Je vous dis, même à la conférence, tu n'as pas besoin de venir avec tes papiers. Tu as un nom, tu t'inscris, tu as un permis du Cameroun. Tu as une attestation, un titre de séjour. Tu n'as pas besoin d'être français pour cela. Oui, personne n'est né avec les papiers. Je vous dis personne. Personne n'est né avec les papiers. Personne.
Je vous dis, il y a même des Français ici, mes voisins ici, qui n'ont même jamais eu des cartes d'identité. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Quand ils te montrent son permis, tu vois, c'est un permis papier des années 80. Ils n'ont pas besoin d'avoir tout ce qui est numérique. Ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Ils ne voyagent pas. Ils sont là chez eux. C'est le champ, les plantations, et voilà, le raisin. C'est tout. C'est tout. Pas besoin. Bonjour à toi, Kenaton Tamto, tu viens à la fin. Et tu vois bien, j'ai fait l'éloge de ta chérie, et Claire Bitois, qui vient souvent te titiller. Tu vois, aujourd'hui, j'épingle le commentaire de Claire Bitois, parce qu'elle comprend enfin que nous ne sommes pas là pour nous diviser. Elle comprend que nous ne sommes pas là pour parler du MRC, du RDPC. Nous sommes là pour parler comme des Camerounais, parce qu'on devrait changer le Cameroun tous ensemble. C'est ça qui est question. Et j'épingle son commentaire, qui est un commentaire fort, puissant. Je fermais déjà ce live quand j'ai vu ses commentaires. Parce que l'époque où le gouvernement nous utilisait pour nous insulter est terminée. C'est terminé. L'époque où ce gouvernement mettait les travers du tribalisme est terminée, justement. Aujourd'hui, on a compris. On a compris. C'est pour ça que j'invite encore les artistes, mes frères comédiens, de continuer, de prendre le pas pour ceux qui ont déjà commencé, de parler. Vous avez vu Mouton, Mouton s'est caché, non? Mouton, Mouton s'est caché avant, alors que c'était Mirador. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de parler sur Mouton, Mouton. C'est Mirador maintenant qui vient vous parler. La parole est libéralisée parce qu'ils ont vu les autres le faire. On n'a plus besoin de se cacher. Les autres le font, on ne les arrête pas. Pourquoi tu devrais te cacher? Alors que ce que tu dis ne déstabilise pas le pays, n'est que pure réalité. C'est de ça qu'il est question. J'ai dit, je ne fais plus partie des. Je parle en français, je ne parle pas en anglais. Je ne fais plus partie. Mon équipe, Blandine Wanen qui est là, Akhenaten Kamto qui est là, Sankara Suarez qui est là, nous ne faisons plus les boycotts. Je parle en français. Ça va faire un an. On a décidé de ne plus parler de boycott, on n'en fait plus. On a décidé de collaborer avec des artistes, collaborer avec des influenceurs, collaborer avec les comédiens. Collaborateur avec les acteurs socio-culturels. C'est de ça qu'il est question. C'est ce qu'on le fait depuis un an. C'est bizarre, j'ai eu l'impression que tu reviens dans mon live et que peut-être je t'avais bloqué. Je le redis encore pour que tu écoutes bien. Ouvre bien tes oreilles. Deux points. Nous ne faisons plus les boycotts des artistes. Est-ce que c'est clair? Nous n'en faisons plus. Au lieu de les boycotter, on collabore avec eux. Et c'est eux, nos meilleurs ambassadeurs actuellement. C'est les artistes qui font la sensibilisation sur l'inscription, sur les listes électorales actuellement au Cameroun. C'est Malox, c'est Kokumbo, c'est Papato Officiel, c'est Aïcha Camoise, c'est Piment Noir. Regardez Piment Noir, allez sur ces vidéos. Vous voulez qu'on les boycotte, pourquoi? C'est Général Franco. Ils sont nombreux. On a une kyrielle d'artistes et de comédiens. C'est Carré de Fotso. Allez regarder. Et vous voulez qu'on les boycotte, pourquoi? Alors qu'ils devraient collaborer. Mais Mani Bella, on la boycotte plus. Pourquoi vous ne parlez pas de Mani Bella? On la boycotte plus. Elle fait ses pics, elle conscientise. C'est de ça qui en est question. Zéro boycott. La pensée n'est pas statique, les gars. Nous sommes en 2023. On a besoin de voir autre chose, de penser différemment. On a besoin, pour ceux qui peuvent rentrer au Cameroun, d'aller au Cameroun motivés. Les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales, motiver les jeunes à suivre leur vote, motiver et encadrer cette jeunesse du Cameroun à participer à leurs devoirs citoyens. Parce que c'est cette jeunesse-là qui est le patron des gouvernants au Cameroun, pas l'inverse. En anglais, on dit civil servant, donc ils sont là au service du peuple. C'est ça qu'il est question. Et il n'y a pas de tribalisme, je vous dis, il n'y a pas de tribalisme. Les gens ont voulu utiliser ce tribalisme pour essayer de nous distraire. Les gens ont utilisé le tribalisme pour essayer de nous distraire. Aujourd'hui, on a grandi. Aujourd'hui, on a grandi. On a gagné en maturité. Je vous dis, voilà Claire Bitois qui est dans ce direct-là. Voilà Claire Bitois qui est censée dire, il y a quelques mois, on s'insultait à chaque fois. Voilà Blanche Tia, avec qui on s'est affronté physiquement, verbalement, pendant un boycott en 2019, 2018. Elle est là dans mon direct. Elle commente dans mon direct. Et là, tu ne vas pas me parler quand on parle des tribalistes. J'échange avec elle. Hein. Nous échangeons, que ce soit sur Facebook ou on échange.
C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, on a compris. On a compris. Je vais voir, je vais aller me balader à Washington. Je vais voir Claire Bitois en train de se faire agresser par les Jamaïcains. Je vais dire non. Oh, mais c'est celle-là qui m'insulte. À chaque fois sur Facebook, je vais la laisser. Je vais la laisser se faire agresser. Je ne vais pas intervenir. Mais non, les gars, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Ces gens veulent absolument que la diaspora se divise. Je vous ai dit, au pavillon Dauphine le 20 mai, ils n'ont invité ni Berceau d'Afrique, ni Alain 007, ni celui qui a un nez bizarre là du côté de la Belgique, ni ils ont invité ni Josiane Ondoa, ni Élise Bissau. Ils n'ont invité personne de ces gens-là. Personne. Mais moi, j'ai reconnu des gens. Parmi ces gens-là, j'ai reconnu les gens. Mais tous ceux qui prennent le tribalisme sur la toile, personne n'a été invité. Vous comprenez pas quoi? Donc ça veut dire que vous n'êtes pas leur ambassadeur. Ils ne sont pas là pour vous dire de dire cela, d'attaquer les autres tribus. Non. Vous n'êtes pas là pour attaquer les autres tribus. C'est de ça qu'il est question. Bon, j'ai quand même pris 10 minutes parce que Akhenaton, tant comme toi arrivé, et Claire Bitois fait un magnifique commentaire. Je vais récapituler en disant. Chers frères et sœurs, nous ne boycottons plus les artistes. Nous ne boycottons plus. La pensée est dynamique. Nous collaborons avec les artistes. Chers frères et sœurs, il y a des échéances prochaines qui sont en train d'arriver. L'inscription massive sur les listes électorales devrait être votre moto, devait être notre moto actuellement, parce qu'on a besoin d'une refonte total du système politique camerounais. Nous avons besoin d'un véritable changement au Cameroun. Nous avons besoin de tous ces artistes-là dans ce devoir-là. Nous avons besoin de tout le monde. En troisième, il y a une grande conférence ce samedi à Paris avec les diasporas. Vous êtes cordialement invités, qui se termine avec une séance de dédicace de bouquins. Donc, tout le monde est invité. Réservez avec vos noms, vos adresses e-mail pour recevoir le QR code. Et il y aura une séance dédicace à la fin. Et pour finir, un Cameroun meilleur est possible. Nous devions tous dénoncer l'état de ce régime sans penser, sans se soucier qu'on appartient au RDPC, au SDF ou au MRC. On devrait le faire en se disant que nous sommes tous des Camerounais. Parce qu'un Cameroun meilleur est possible. Et je vous assure, un Cameroun meilleur est possible. Le Cameroun de demain se fera avec nous tous. Nous tous. Bonne journée à vous. Bonne journée.